Mardi 24 avril 2018, bonsoir tout le monde, bienvenue dans Téléjournal Lens sous télévision nationale d'Haïti, mais grand sitio. Cinq nouveaux ministres exécutifs l'ont nommé recevoir mardi 24 avril l'an. Ampliation yon nomme un chef gouvernement, Dr. Jack Guy Lafontaine, nan primatia. Pendant même journée mardi, un ministre agriculture, agronome Joubert Engrand, ministre justice et sécurité publique l'an maître Rudy Ali, avec un ministre intérieur et collectivité territoriale, Reynaldo Brunet, déjà installé dans fonction yo nouveau ministre yo promet pour travail dans intérêt population. Inauguration jeudi mardi à local centre source communautaire Canaran centre ça à permettre communication faite plus bien à la communauté. Premier jour atelier travail dans cadre projet Haïti Smart Land déroulé mardi 24 avril là. Projet SILA qui lancé lundi 23 avril l'an visé by une dizaine de jeunes entrepreneurs encadrement yon façon pour permettre de faire plus succès dans business yo. Et puis une actualité à l'étranger, président français Emmanuel Macron avec madame Lee Brigitte Macron tant même mardi 24 avril l'an yon visite 3 jours dans pays États-Unis. Amis téléspectateurs, pas déplacés, n'a retourné tout de suite à développement journal là. Chaque jour dans la vie, ou qui pour faire un choix. Mais c'est où qui pour faire choix qui est plus intelligent. Un choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec une machine agricole qui est plus performante, avec un développement plus route qui pour mener en pile. Objectif l'huile mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque jour. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que l'on reprend chaque jour dans la vie. Dans le développement société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur tout appareil à toute machine. L'IPAP jamais la guerre en route et l'ICE partenaire à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Le caoutchouc chine top tête chat sa yo encore. Mais. Pas gémé, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top taise pour mettre en bas votre machine ou. Ou à venir de tous côtés pour les caposer. Ok. Pas oublier, top taise. C'est fun wash, chire route, quoi chiclou. Ah, gonji boule m'a joué. Vendez-moi 4 caoutchoucs, Tom. De quel brochet à rouler? Quoi? Top Tarot, c'est fun wash, chire route, quoi chiclou. Mango, banana, tout le
Chugo, c'est un produit séjourné. Yon fwa ankon ap di tout moun bonsoir et puis bienvenue dans développement journal lan kap démarrer nan page météorologique lan et comme d'habitude y avec collaborateur nou Wilner Polidor qui pral pote pou nou information sous temps. Bonsoir Wilner. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble jeudi à pour prévision météorologique journée. Nous vous remercie pour fidélité avec attention. On a alors comment situation météorologique là sous région Caraïbes centrales là toujours en bas humidité et instabilité dont Haïti cap en bas situation ça et situation ça même si au cours de la journée a gagné soleil mais c'est un temps qui pral nuageux en fin d'après-midi et en soirée et situation ça va causer quelques activités la vie sous certains départements pays à jeudi à et département cap concerné toujours département centre a toujours en bas activité la vie le fait que gagne pile la pluie tomber encore. Moun ki rete nan département sa ou fè précaution avec prudence parce que capable gen quelques zones qui inondé et département Artibonite l'ouest sud-est avec sud et la Grenance toujours gen possibilité pour gen quelques activités la pluie pour jodi a parce que humidité avec instabilité a toujours été sous pays a et réchauffement pendant journée mélangé avec brise de mer qui a rentré pour aller renforcer activité la pluie sous pays d'Haïti et sous département de société là là même si sous reste département il y a quelques averses isolées qui étaient possibles mais département de société c'est eux même qui gagne possibilité pour gagner quelques activités la pluie modérée et même qui capable venir fort sous pays d'Haïti. Pour capitale avec zone environnée c'est un capitale capable en instabilité même si il y a un soleil 7 au cours de journée là. Mais en fait l'après-midi pour commencer gain nuages qui a développé et nuages ça en soirée au cours de nuit là tu as supposé bailler quelques activités la pluie sur plusieurs quartiers pour aujourd'hui et surtout au sud de capitale pays d'Haïti on a gain quelques activités la pluie donc on température aujourd'hui qui a monté jusqu'à 35 degrés Celsius et puis va la descendre au cours de nuit là c'est 22 degrés Celsius mais par rapport avec activité la pluie nous ca vient en nuit qui commence fraîche en fin de nuit. Nous gain pour un mer qui agité sous ni côte nord ni côte sud par rapport avec vague cap monter 4 à 6 pieds mais pour golfe de la Gonave si on la met cap entre 2 à 4 pieds c'est peu agité mais par rapport avec la pluie prévoir demander capitaine d'embarcation précaution sous zone côte nord et côte sud parce que visibilité a capable réduire sous zone ça yo et pour page astronomique nous bon soleil cap coucher jeudi à 7h09 et la levée de matin à 6h26. Mesdames, messieurs, merci pour fidélité nous avec attention. On a croisé demain pour notre page météorologique. Merci Wilner. Je nous souhaite annoncer dans grand titio. 5 nouveaux ministres exécutifs l'ont nommé recevoir mardi 24 avril l'an. Ampliation yo nan men chef gouvernement Jack Guilafontan nan primatia. Nan cadre cérémonie, premier ministre l'ont mandé 5 nouveaux membres cabinet ministériel là pour appliquer vision administration pour population. On suivi un reportage Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay te pote pour nous. Gouvernement mette yon nouveau souffle nan ekip la nan moment exécutif la avanse nan kad reform l'état. Premier ministre Jacques Guilafontan explique remaniement sa vini nan moment population an gen yon long list revendikasyon ki bezwen satisfè. En attendant, yon genyen yon feuille de route complet nan men yo. Premier ministre Jacques Guilafontan mande 5 nouveaux ministres pour marcher nan ligne programme administration Moïse Lafontan. Messieurs les ministres, l'équipe gouvernementale que je dirige est appelé à se surpasser et à mettre en œuvre la vision du président de la République traduite à travers la politique générale du gouvernement ratifiée par le Parlement. Je vous exhorte à élever à la dimension des défis et urgences du moment, des attentes de la population et de la confiance placée en vous. Soyez assurés de mon plein et entier soutien dans l'accomplissement
de cette noble et exaltante mission. Cinq nouveaux ministres qui recevront ampliation le jeudi 24 avril là, c'est ministre intérieur à collectivité territoriale là Jean-Marie Renaldo Brunet qui vient remplacer Max Rudolph Saint-Albin dans poste ça. Ministre justice et sécurité publique Jean-Woudi Ali qui remplace Eddy Fortuné. Ministre agriculture Joubert Engrand qui remplace Kamel André Béliard. Ministre culture et communication Guilherme Cédelva qui remplace Limon Toussaint. Et puis ministre haïtien qui vit à l'étranger Guy André François qui remplace Stéphanie Auguste qui te gagne deux portefeuilles et qui coulier a toujours été dans poste ministre affaires sociales. Merci Sabine ak Naël. Cinq citoyens intégrés gouvernement La Fontan après un passé main qui fait la dalle. Jean-Nous Sotoueli, Guilherme Delva, qui est journaliste, secrétaire général SOS Journaliste, ancien secrétaire d'État communication, c'est nouveau ministre culture ak communication. Rinaldo Jean-Marie Brunet, ancien agent exécutif commune Cafou, remplacé Max Rudolph Saint-Albin dans poste ministre intérieur à collectivité territoriale. Jean-Woudi Ali, c'est ministre justice et sécurité publique. Avant ça, il était directeur général ministère Sila, sorti 2012, rivé 2017. Ancien coordonnateur exécutif Institut national CAFEA, agronome Joubert Engrand, c'est nouveau ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural. Et puis Guy André François, ancien consul en Floride, remplacé Stéphanie Auguste comme ministre haïtien qui vit dans le pays l'autre bord de l'eau. N'a pas poursuivre pour nous faire connaître le ministre Travaux publics, Transport et Communication en Fritz Caillot, installé mardi 24 avril. Agronome Joubert, c'est un grand comme nouveau ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural. Dans l'occasion, le ministre Fritz Caillot rappelé nouveau ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural. Ligue 1 pour responsabilité, réaliser priorité administration, président Jovenel Moïse là. Dans ce sens, le ministre Joubert C. Engrand doit travailler pour un disponible produit local et puis attaquer faiblesses qui gagnent dans le domaine agricole, là, d'après le ministre Fritz Caillot. On suit. Au nouveau titulaire de ce ministère, M. Engrand, vous avez aujourd'hui la lourde responsabilité de réaliser les priorités du président de la République dans le domaine agricole. Le gouvernement attend aussi de vous tout le savoir-faire dont vous disposez pour concrétiser les requis de la lettre de cadrage permettant ainsi de mettre ses promesses en œuvre. Monsieur le ministre, la population haïtienne a aussi ses besoins. Elle attend de vous que les produits locaux soient disponibles et à sa portée financière. Financièrement. Redonnons à nos campagnes l'allure d'autrefois où la population haïtienne, au gré des saisons, attendait les récoltes pour mijoter les plats nationaux à partir de produits locaux. Vous connaissez les forces et les faiblesses du secteur qui vous est confié. Vous avez les capacités d'atteindre les objectifs ambitieux, mais réalisables, visés par l'exécutif. Je ne doute pas avec votre dynamisme, les défis qui vous attendent seront maîtrisés. Bon côté PAL, nouveau ministre agriculture, agronome Joubert C. Engrand, promettent l'Ipral travail dans réformer ministère SILA, côté la combattre, moun qui pap vin travaille et puis qui a fait corruption. Puis loin, ministre Joubert C. Engrand dit viser renforcer bureau agricole départemental et communal. Un extrait. L'initiative de mettre en place des infrastructures agricoles, notamment la mise en place d'un système d'irrigation, est un atout important pour développer durablement les productions agricoles et animales du pays.
Cette deuxième année constitue donc une année de croisière pour effectivement intensifier et développer l'agriculture et arriver à garantir la sécurité alimentaire de la population. Pour ce faire, le monde doit être effectivement mis au travail et dans une totale harmonie. La réforme du mal va continuer et arriver à un point de non-retour d'ici la fin de l'exercice 2017-2018. L'absentéisme et la corruption seront combattus sur toutes les formes. De jeunes cadres de haut niveau, à tous les niveaux, seront recrutés sur concours avec l'appui de l'OMH. Les bureaux agricoles, départementaux et communaux seront renforcés. L'efficience et l'efficacité seront recherchées au niveau de l'exécution des projets. Les travaux d'infrastructure seront poursuivis, notamment à travers la stratégie de la caravane du changement, pour que rapidement 12 systèmes d'irrigation soient réalisés et opérationnels. 120 000 hectares devront être mis en valeur avant la fin du mandat du président. N'a prêté sous même lancé ça ensemble avec ministre planification. À coopération externe, maître Aviol Florent, qui est installé en tête ministère justice et sécurité publique, maître Jean-Roudy Ali. Cérémonie s'est déroulée mardi 4 avril dans le local ministère justice en présence de plusieurs cadres et professionnels dans l'appareil judiciaire. Dans le discours pour circonstances, là, maître Aviol Florent rappelait nouveau ministre, là, gouvernement compté sous travail. Là. Il y a un extrait dans le micro, Falande Delphin, avec Hervé Pierre. Monsieur le ministre, vous êtes titulaire du portefeuille de la justice et de la sécurité publique. Justice, la justice élève une nation. C'est un très gros morceau. La réforme s'impose comme votre feuille de route originaire l'indique. Sécurité publique, on en a besoin pour garantir l'investissement. À ce propos, dois-je dire que revenant de l'Assemblée de printemps des groupes Banque mondiale, Fonds monétaire international, Banque interaméricaine de développement, à Washington DC, il a été constaté et il a été dit par les grands partenaires techniques et financiers que durant ces 15 dernières années, Haïti, pendant la première année du président Jovenel Moïse, a su marquer des points qui dépassent de 1000 coudées les 14 dernières années que ce pays a connues. Cela revient à dire, monsieur le ministre, que l'environnement sécuritaire favorable à l'investissement, susceptible d'attractivité économique, d'attractivité en termes de politique de développement, est nécessaire. Vous dirigez un portefeuille, on dirait un oiseau à deux ailes. L'aile de la justice qui mérite une attention particulière, soutenue, accrue et de manière constante, et l'aile de la sécurité publique pour garantir l'investissement conformément à la vision du président de la République. Aujourd'hui, ce n'est pas mon jour, c'est votre jour. C'est le jour du gouvernement, c'est le jour de l'administration politique Moïse Lafontaine. Et puis, nouveau ministre justice et sécurité publique, là, maître Jean-Roudy Ali, dans l'intervention Pali, remercier chef l'État et gouvernement pour confiance si vous placez dans l'île pour prendre commande ministère si là. Maître Jean-Roudy Ali promet, libre le travail dans plusieurs champs,
Tant coup, détention préventive prolongée et puis renforcement système judiciaire. Un extrait. Parmi les actions, évidemment inspirées des promesses de campagne du président de la République, de la déclaration de politique générale du Premier ministre, de la loi organique du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, de la loi portant création de la police nationale d'Haïti et autres organismes relevant de la tutelle du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, justifier cette confiance placée en moi. En termes, en guise de discours, je voudrais partager avec vous les grands axes de mon programme en tant que titulaire du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Tout d'abord, le phénomène de la détention préventive prolongée. Vous savez, les citoyens, ils ont droit à la justice. Il y a des gens qui sont détenus pendant longtemps dans les centres carcéraux sans être jugés. Il me semble important d'attaquer le problème de la détention préventive prolongée. Par évidemment, la redynamisation des parquets. Aussi, comme la justice est un oiseau à deux ailes, qui est le CSPJ et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, il faut compter sur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour ce qui concerne les juges. Je l'appelle donc à tous les acteurs de la justice, les officiers du parquet, les juges, les greffiers, les huissiers et tout le personnel de la justice en général, de prendre conscience de la situation et d'agir avec professionnalisme pour combattre la détention préventive prolongée. Et puis, on a enchaîné ensemble avec sénateur département Niplan, Francenay Denius, qui mandait pour ta gain rectification dans le budget 2017-2018. Sénateur Francenay Denius t'a profité, réagi sous remaniement ministériel. L'abdino plus dans le micro, Eliezer Kolo avec Moïse Wilbridge. Nous avons un gouvernement et qui gagne une action d'ensemble que l'a mené. Donc le gouvernement, ça n'a pas marché, moi je crois que c'est politique pour le changer. Et maintenant, étant donné que tu as une feuille de route, est-ce que c'est sous base feuille de route là, tu estimes que le ministre, après évaluation, il n'a pas baillé ça pour aller aller. Là, nous-mêmes, nous ne sommes pas condamnés parce que nous n'avons pas d'évaluation. C'est vrai que nous n'avons pas gagné de gros résultats après seulement un an, avec un budget qui votait seulement en octobre. Mais cependant, moi pense que et par rapport à la situation liée, mais les dépenses de l'État supposent qu'ils ont l'autre orientation et le budget supposé qu'ils ont l'autre orientation si nous voulons gagner vraiment des résultats palpables qui allaient dans le sens d'amélioration et de vie peuple haïtien. On a prêté dans le même sujet ça ensemble avec sénateur Latibonitlan, Yuri Latortue, qui t'a réagi lui-même tout sous changement qui fait dans le gouvernement. Il dit qu'il souhaitait un nouveau travail qui fait pour porter solution à différents problèmes qu'a traversé la société. Le sénateur a souligné allié yo pas de consulter dans le cadre de remaniement. Si là. On suit. Le changement yo fin fait, nous-mêmes. Nous souhaitons bonne chance à gouvernement. Donc nous-mêmes, au niveau du Sénat, nous allons faire travail de contrôle, pour que nous vérifions si le dossier est tout ministre légal et nous faire travail de contrôle. Nous. Parce que pour le ministre, il faut que nous gardions le dossier. Mais deuxièmement, au niveau politique, nous voyons que justement, les changements n'ont pas fait avec PHTK. Les changements sont faits avec PHTK. Mais au niveau politique, nous-mêmes, nous avons pris acte de changement. Et nous souhaitons bonne chance à l'initiative. Et puis, on a peur à poursuivre sous même lancé en toujours ensemble avec le sénateur département l'Ouest, Antonio Cherami, qui souhaitait nouveau gouvernement travail pour changement et développement rivé dans toute section communale. L'itinéraire dans le micro, Eliezer Kolo et Moïse Wilbridge, on suit. Monsieur, je suis de tabay 3 jours pour te changer. Mais au changer, quand il y a fort une 10 population, dans ça qui change, qui ça qui pour eux, et ça qui pour eux, qui ça pour le faire avec. Moi-même, je souhaite
monsieur changer comportement. C'est pas seulement changer moun et puis pour nous dire bon peuple là ouais un changement qui fait et puis il pour le calmer. Nous t'a vraiment souhaité que yo changer comportement, yo changer et façon yo aborder moun yo. On nous garder kazek yo, azek yo. C'est des moun que m'a rencontré dans moment côté m'a parlé avant là. Ministère intérieur OK m'd'accord au changer le jodi a, mais est-ce que ça qui vient pour le connaître faut que li cob qui dans budget a pour kazek yo. Yo pas jamais jeune ni an, est-ce que lui même il pourra le chita pour le bail kazek yo comme ça pour permettre que yo fonctionner azek yo qui pas dans budget comment on pourra le chita avec moun sa pour mettre yo sous budget parce que on connaît moun sa très proche population hein. Faut qu'a gagne bureau faut qu'a gagne bagaille côté le peuple a gagne problème il cal porter doléance li et c'est doléance ça pour qui permettre que développement fait. L'autre point n'a pas abordé dans journal ça c'est avec unité force populaire dans tête collée avec plusieurs autres organisations qui annoncé mardi 24 avril là un forum national cap gain pour fête vendredi cap 27 avril cap venir là dans Port-au-Prince. Activité si là a réalisé dans l'idée pour faire bilan premier l'année caravane changement. Un extrait dans micro Mireille Milias avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Activité ça son activité n'a fait pour informer la population de ensemble de réalisations, eh bien, gouvernement Moïse Lafontaine et unité d'action, ça qui c'est caravane changement, déjà réalisé à travers le pays dans 10 départements. Donc, son occasion, eh bien, pour nous dire population, mais qui ça qui réalisé. Par exemple, là, nous connaissons réalisation qui fait dans l'infrastructure routière, dans infrastructure agricole, infrastructure sanitaire et ça qui fait dans niveau éducation. Donc son opportunité n'a demandé pour toute population vini dans jour cap 27 avril 2018 là dans kiosque Oxyde Gentil pour venir dans forum national ça. Donc ensemble organisation ça réponse paysan plateforme victoire parti politique victoire femme parti politique rassemblé unité force populaire nous mettons ensemble pour nous présenter un bilan positif des caravanes changement et n'a profité pour nous dire à opposition monsieur ressaisis nous président te promet pour le travail c'est travail il vient travail c'est travail l'a travail puis on a marché faire menti pour nous dire que la caravane est bloquée, la caravane n'a pas porté résultat. Eh bien, nous invitez-nous pour nous venir le 27, pour nous venir voir ensemble des réalisations qui sont faites là. La population haïtienne m'a demandé de nous pour nous caler chez nous. Parce que Mounsao, c'est patrie poche. Moment arrivé pour nous prendre une pause, amis téléspectateurs, n'a pas invité nous rester branchés, n'a pas tourné tout de suite. Chérie, pour son travail dur, je pense que nous avons acheté Beltikay, ça oui. Beltikay, nous avons l'école, nous avons l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici, nous avons un problème. C'est notre quoi retraite là? Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir et jouer une plus bonne solution dans la gestion de comble. AIC a un flexi cash. Il aide à faire économie pour jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance, c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous avons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que mon gars voulait me financer comme ça? C'est pas ça nous a souhaité. Mais si ça t'a le cas, moi-même, m'a continué de te faire madame avec toute famille. T'es que madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Maintenant, AIC nous porte des solutions pour tout assurer. Prends une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 0 jour. AIC, c'est moins ce problème, plus solution. AIC à faire. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable.
et je voudrais pouvoir un jour. Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet, N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup, wash. Désirable. Oublierez vous venir en réalité nous a fait la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre porte li bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies en cours, kyste, fibro, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïde, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delmatres Royal Mairie numéro 12. Ou bien relez dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça y a kaba naturellement. Merci parce que nous toujours été branchés Journal Lance ou Télévision Nationale d'Haïti. Information, yo a continué avec Mary Kouadebouquet, UCLBP, USAID, Croix-Rouge américaine, notre tête collée à Croix-Rouge haïtienne, qui inaugurait yon nouveau local, centre ressources communautaire, dans rentrée Corail, yon quartier dans Canaran, mardi 24 avril. Espace ça pral permettre de renforcer communication, proximité à population Canaran. Cérémonie s'est déroulée en présence plusieurs élus locaux avec représentants communauté et partenaires étrangers. Un extrait dans le micro Rose Vanessa Pierre avec Henri Robert Chéri. Ça qui va desservir toute zone canarienne et localité qui tout près de lui. Non, c'est pas trop loin, là où la donne, un bureau Office national d'identification. Un bureau état civil. Il y a un espace pour la communauté qui a organisé des réunions avec l'autre activité culturelle et sociale. C'est un CRCA pour le construire, il y a un support global community qui a coordonné la construction. Et avec le financement, il y a USAID à Croix-Rouge américaine. Dans toute la population Kouadebouquet en général, à la communauté canarienne en particulier, n'a pas dit aucun chien merci à partenaire nous qui depuis plusieurs mois par Jean marchandé bonne volonté compétence disponibilité et ressources pour être capable faire projet ça vinn jodi a yon réalité. Et puis, on a fait connaître le mouvement unifié transporté haïtien, MUT, lancé mardi 24 avril. Il y a un mouvement mobilisation pour 29 avril, Cap Vinila. Mouvement ça, c'est pour demander aux autorités de continuer à prendre disposition pour améliorer les conditions de la vie de la population haïtienne. Secrétaire exécutif MUT, Jacques Aderson Desroches, a apporté plus d'explications dans le micro. Heurtelou, Marie Dieudonne avec Hervé Pierre. Et nous invitons la population parce que nous parlons de tous 10 départements dans la bataille de la conscience citoyenne. Mais pendant nous profiter de dénoncer route crasée, l'eau sale, fait noir, insécurité, la vie chère qui monte, Tichazil Chita et la garde toute population. Je dis à nous-mêmes, comme Gouamoso dans le syndicat en Haïti qui a défendu le transporteur, qui est colonie Pindos à l'économie pays, qui se piédestal mobilité sociétale là, nous inviter toute population dans réveil de la conscience citoyenne. Nous avons enchaîné ensemble avec Coalition Jeunesse et Université Engagée Haïti, qui organisait mardi 24 avril un sit-in devant le local Palman dans l'idée pour demander implication jeunes dans la décision qui a engagé le pays. Secrétaire général Cojeunan, Slinde Widred Jacob, profitez, mandez autorité yo continuer travail pour porter amélioration dans condition la vie population haïtienne. Il était dans le micro Colo Eliezer avec Moïse Wilbridge. Son coalition a gagné la donne, yon ensemble organisation étudiant
ak yon ensemble organisation jeune qui nan quartier qui pi pauvre yo. Son ensemble organisation. Qui ça nous a souhaité pour implication jeunesse là dans espace décision pays là. Toujours dans le sujet ça, un sénateur département Niplan Nenel Kassi qui bay garantie li pral poser problème jeunesse là ak collègue parlementaire yo. Yon façon pour porter une réponse sur ensemble problème jeune yo a fait face dans société. Li tenan micro Eliezer Kolo ak Moïse Wilbridge en suivre. Nous ka compter sur parlement parce que yo gen pour mission travail pour permettre que nous-mêmes nous joignons bon gens encadrement, nous joignons l'autre pays qui ka boujonner l'espoir côté nous-mêmes nous ka fier des pays. Et dans ce sens, m'ta remè que peut-être et si nous gon document et qui exprimer revendication nous yo, m'ta souhaiter que nous transmettons. Et si pas gagne, m'ta souhaiter une délégation de trois moun ta nan bureau moi parler avec nous. Une façon pour me bien imbi de revendication yo et pour me capable transmettre li ba l'autre collègue yo et dans même séance tout me capable faire débat pour nous. On croit dans démarche pour réduire chômage, pour mettre jeunes dans travail, pour permettre qu'il y ait l'autre pays pour production nationale là et avancer et pour au moins gagner l'espoir dans pays pour tout le monde. Et puis premier jour atelier travail dans cadre projet Haïti Smart Land démarré mardi 24 avril là. Projet ça qui lancé lundi 23 avril là visé by une dizaine jeunes entrepreneurs encadrement et en façon pour permettre de faire plus succès dans business yo. Rodney d'Orléans avec Hervé Pierre a présenté nous un compte rendu. Nous avons choisi 10 entrepreneurs ça pour un concours que nous mettez disponible sur les réseaux sociaux, côté que nous invité entrepreneurs qui servent avec technologie et qui déjà ont un certain minimum de marché, un certain minimum d'attraction que vous avez sous marché pour être capable de venir bénéficier de support et mentors, des mentors qui vont venir pour aider à avancer avec l'idée business. Yo. Première journée atelier Sayo, cap bout jeudi 26 avril 2018, cap vini là. Te occasion pour entrepreneurs expérimenté yo, chita parler ak jeune entrepreneur yo sous diverses thématiques. Technologie c'est youn parmi thème qui te dans mitan discussion yo pendant journée sa, d'après manager Haïti Statlan, Florian Alvarez. Il y a trois bagages que nous faire pendant programme là. Nous commençons avec un keynote côté gen yon speaker qui vient parler pendant 20 minutes. Jodi a nous te gen product design. Pita pendant journée on a bien technologie. Donc speaker en venir, il parlait pendant 20-30 minutes présenter un aspect spécifique dans product design ou dans technologie. Ensuite, gagnon ti séance de questions-réponses entre entrepreneurs avec et mentor qui vient parler à. Chaque startup gain deux mentors. Il finit par son premier une temps avec un mentor, ensuite il passer une temps avec un autre mentor encore. Et puis dans fin journée, on nous font un recap mais qui ça qui gain pendant journée mais qui leçon pour tirer et puis demain nous balancer. Donc c'est comme ça on a avancé pendant tous les trois jours. Dans quatre projets Haïti Statlan, mentor yo ap gen pouwè ak jeune entrepreneur yo plusieurs thèmes takou conception produit, marketing, finance et puis accès ak divers marchés. Merci Rodney ak Hervé n'a pas poursuivre pour nous faire connaître Confédération nationale éducateur ak éducatrice d'Haïti récupérer terrain Juvena après la justice haïtienne rendant décision en faveur CNEH. C'est juge de paix Pétionville ak brigade d'intervention contre insécurité foncière qui te remet terrain en bas dirigeant CNEH jeudi mardi 24 avril. Richardson Jourdan avec Michel Joseph pour plus de détails dans le reportage ça. C'est juge de paix Wilfried Marcina qui te gen ak li plusieurs agents brigade d'intervention contre insécurité foncière Brissif qui remet terrain en bas responsable Confédération nationale éducateur ak éducatrice d'Haïti CNEH. Après monter descendre devant la justice, yon décision sorti en faveur CNEH, ça qui permet yon récupérer terrain ça qui nan Juvena. Conseiller spécial CNEH Jean Lavo Frédéric remercie tout le monde qui t'a accompagné dans quatre batailles récupération terrain. L'important pour nous remercier tout le monde, toute institution qui aide nous récupérer ce CNEH acheter ça pour nous construire local. Premièrement, nous avons remercié le commissaire Danton qui était le premier à faire intervention. Nous avons dit au commissaire Outnab, merci tout. Nous avons dit tout
moun ki te vann nou te toujours accompagner nou kenal nan radio kenal nan télévision kenon à la justice yo toujours avec nous parce que yo di c'est ou te vann nou nou di merci nou di secrétaire d'état sécurité publique la merci nou di ministre justice pas bien débrisif merci est-ce que yo te wè injustice à toi flagrant. Jean Lavaux Frédéric expliqué son terrain yo acheté depuis dans l'année 1994 grâce à aide l'autre syndicat enseignant international. Li fait connait papier terre qui nan men yo a correct. Depuis 1994 nous commencé travail là et puis nous pour servir une fête et là nous vinn garder papier terre Robinson n'a pas aucun rapport avec Juvenal. Il pas gain aucun rapport avec terre pa nous qui veut dire son terre yo perdu. Ou bien son tel besoin volé, il fait pas erreur, il font faux papier et puis il dit c'est lui qui est là. Responsable yo fait qu'on est gain 23 000 enseignants qui fait partie CNH pour Koulia. Après récupération terrain, yo annoncé construction siège social Confédération nationale d'éducateurs et éducatrices d'Haïti CNH a commencé avant longtemps. Merci Richardson ak Micho. Katel délégué Ville Delma mette en bout lundi 23 avril dans la première session de travail organisée pendant une semaine dans le palais municipal Delma dans l'objectif pour arriver à identifier différents problèmes que la commune Delma a fait face dans le domaine santé, assainissement, éducation. Dans l'occasion, le délégué Ville Delma a présenté un rapport de travail par l'administration mairie Delma. Sainte-Croix Paki ak Hervé Pierre pour un reportage. Pendant une semaine, Katel délégué Ville Delma yo penché sur ensemble problème commune a fait face. Délégué Ville yo nan rapport ça proposé administration commune Delma pour construire un espace pour ti moun ka viv nan la rue, construire un centre professionnel, mettre un restaurant communautaire et puis bay assistance à grand moun yo. Délégué de Ville yo nan commune yo nan chaque bloc yo nan chaque zone yo nan chaque ruelle yo yo là pour identifier problèmes auxquels que population a fait face, surtout les points de vue, au point de vue d'assainissement, infrastructure, énergie, éducation, santé. Délégué de Villio gagne pour garder problème ça yo. Et dans session travail qu'il a fait, il vient présenter yo. Nous travaillons dans différentes commissions et puis nous avons un rapport que nous avons dressé, nous avons envoyé par le conseil communal là pour appréciation par. C'est conseil communal là qui gagne. Et moyen en même pour lui capable exécuter dans plan de développement qu'il gagne dans la commune là. C'est ça qui fait tout dans le discours là nous dit faut que l'état central et bail moyen adéquat et pour que et gens des problèmes ça yo les représenter dans la commune pour que magistrat capable faire face ensemble avec eux. Et gagne un centre professionnel certes mais c'est au niveau privé mais au niveau communal et municipal et pas gagne dans la commune d'Elma, nous tenons que les jeunes ont gagné à la prendre des bagages qui pourraient être utiles de demain, si Dieu veut. Nous trouvons ces urgents pour sa fête. Non seulement nous pensons pour les jeunes, tout, nous disons les enfants des mini, les enfants des rues de la commune, il faut que le conseil communal la pense à Timoun Sayo. Et parce que former Timoun aujourd'hui, c'est rendre que demain nous avons une société qui est correcte, une société qui est normale. Délégué Villio a gagné un mandat 4 années. Mission comme élu local, c'est identifier différents problèmes que la commune a fait face et puis proposer solutions avec l'État central pour le développement commune. Et puis, le sénateur département de la Tibonite, Yuri Latortue, qui mandé président chambre député Gary Bodo pour travailler dans la tête ensemble avec député dans l'idée pour voter loi sous crédit étudiant. Sénateur en fait quoi loi ça pour elle permettre en pile jeune qui pas gain moyen pour étudier bénéficier crédit si là et puis améliorer conditions la vie dans société a en suivant bout dans déclaration. Depuis l'année dernière, gain une loi sur crédit étudiant que de proposer au niveau du parlement qui était voté au niveau du Sénat et nous était programmé pour que en octobre 2019 loi ça ait été fin voté et que tout jeune qui sorti dans philo ka aller dans l'université grâce au crédit que justement l'état a accordé à travers les banques pour que pendant 4 à 5 années eh bien étudiants ça yo te ka justement étudier et après que yo te fini étudier que yo gen diplôme yo et que yo te ka commencer remettre comme yo justement loi a voté au niveau de Sénat et depuis août 2017 nous transférons la Chambre députée et malheureusement, je vais avancer, nous en avril 2018 et justement, nous allons faire
première session législative de l'année 2018 et loi beaucoup votée. M'a tiré président attention président Garibaudo sur le fait que loi ça extrêmement important grand pile député sénateur originaux c'est la classe moyenne d'un côté que tu grand pile difficulté justement pour étudier et que je dis à nous-mêmes qui dans position nous doit éviter que grand pile jeune qui pas à l'université à cause de problèmes économiques et c'est dans ce sens ça d'exhorter député pour travailler sur loi si des modifications pour faire retourner dans la chambre sénat et nous-mêmes pour nous arriver justement à deuxième lecture travailler sur lui et voter loi ça. Et puis, on a enchaîné ensemble avec parti politique patriote rassemblé pour sauver la caille, Parasol, qui mandait lundi 23 avril l'an pour administration Moïse à gouvernement Lafontaine continuer chita parler à Grèce population dans l'idée pour remplacer personnage qui désistait dans comité pilotage état généraux sectoriel nation. Pi loin, dirigeant Parasol lundi Likwe, c'est une nécessité pour comité ça à monter, une façon pour pays en cas débouché sur un pacte gouvernabilité. Un extrait dans micro Midray Milias avec Moïse Wilbridge. Parasol dit tout, li prend note de quantité division, de quantité de haine personnelle qui gagnait dans le pays ça. Et nous ouais, ça qui passe aujourd'hui avec personnalité ça yo qui retire corps yo dans comité de pilotage là eh bien c'est conséquence c'est échec génération 1986 là qui au même 30 ans après non seulement constat d'échec là yo échoué mais aussi yo pas décidé by chance avec l'autre jeune cap vini yo et nous même l'en senti nécessité état généraux ça état généraux sectoriel nation a gagné et bien nous croyons que li plus que un impératif pour président république là premier ministre là et l'autre responsable dans l'état pour que état généraux sectoriel de la nation donc li fait et li bail résultat et li doit normalement déboucher sur un pacte de gouvernabilité pour pays a pour 25 30 ans pour pays a. Et puis, ministre Défense, là, Hervé Denis, installé nouveau ministre intérieur avec collectivité territoriale, là, Jean-Marie Reynaldo Brunet, jeudi, mardi 24 avril. Là. Ministre Défense, là, Hervé Denis, dans le discours fait, il fait qu'on est administration Moïse avec gouvernement Lafontaine, attend nouveau ministre intérieur à collectivité territoriale pour travailler d'après feuille de route gouvernement et puis renforcer collectivité territoriale. Hervé Denis est dans le micro Sainte-Croix-Paki avec Junior Avril. Moi je suis content en pile que comme ministre de la Défense que nous avons pile travail ensemble que nous rien pour faire et c'est pas un hasard qui fait que je dis hein, ce soit moi qui vous présente. Donc sans plus tarder, c'est avec grand plaisir, immense plaisir que vous cède le micro pour les mots de circonstance, tout en vous félicitant et en vous souhaitant une fructueuse mission au sein de ce gouvernement. Nous avons enchaîné avec le ministre intérieur à la collectivité territoriale Tout-Neuf Lan, Jean-Marie Reynaldo Brunet, qui remercie le président République Lan Jovenel Moïse pour le choix qu'il fait de lui pour diriger le ministère SILA. Nouveau ministre intérieur à la collectivité territoriale l'an promet qu'il pourra le travail pour gagner stabilité et développement collectivité territoriale yo, et puis mettre les moyens nécessaires pour renforcer délégation départementale yo. On suit. Par rapport à ce ministère, sont nombreuses. Il s'agit de ministère politique, mais aussi technique. La loi organique de celui-ci a bien défini les champs d'intervention et les limites d'action. Tout ceci me ramène à agir selon la loi prioritairement, mais également selon la feuille de route qui m'a été assignée par le président de la République et le Premier ministre. Par ailleurs, la situation du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales nous interpelle toutes et tous sur son fonctionnement et ses objectifs. En tant qu'institution régalienne et républicaine,
Sa mission est fondamentale pour la stabilité et le développement territorial à travers les collectivités. En ce sens, je m'engage à renforcer les vice-délégués, les vice-délégations et les délégations dans leur rôle de veille et d'animation de la vie institutionnelle à travers le territoire. Moment arrivé pour nous jambé d'actualité en sous-plan international, mais bien avant, on prend une pause. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que les opérés disent qu'on finit payer, ça n'est pas bon même. Koulia, ça fait perdre des data et des data. C'est celle d'Issel qui va relever illimité sur data et des limites. On écrit un nouveau plan gros loi avant d'y expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel, la Koulia, et puis achetez plein de gros par là. Digicel. Oh! Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives, dont la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province, dont la faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à l'Erogan et Business and Technology Institute dans la ville de Kay. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à l'Erogan. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 6 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, rue Légitime Chaudemars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. Et j'en ai annoncé l'avant-pause là, Nabjambé Kounian, actualité en sous-plan international. Pour nous faire connaître, j'en ai dit dans le grand titio, président français Emmanuel Macron avec Madame Lee, Brigitte Macron, tombé mardi 24 avril là, ils ont visité 3 jours dans le pays États-Unis. Objectif visite ça, c'est permettre deux dirigeants de discuter sous différents dossiers tant qu'au commerce et climat tension en Iran, précisément dossier nucléaire là. On suit. C'est avec un peu de plaisir, président américain Donald Trump accueille visite Tokayli Emmanuel Macron dans Mont Vermont, qui est résidence George Washington. Puis c'est sujet abgé pour parler dans quatre visites ça, tant qu'au dossier commerce là, fonctionnement travail yo, sous climat iranien, malgré alliance yo contre Daesh et contre toutes ces armes chimiques dans le pays la Syrie. Président Donald Trump a bien pour annoncer dans la semaine qui vient là si oui ou non pays États-Unis a sorti dans l'accord sur le climat iranien. Emmanuel Macron souhaitait chef l'État américain qu'un engagement li contre Téhéran qui menaçait la propre programme nucléaire si toutefois l'accord 2015 l'a annulé. Pour marquer l'événement ça, deux dirigeants ont fait plaisir photos souvenirs entre eux, ils ont même prévoyant dîner ensemble à soir. Et puis, campagne pour élection présidentielle a démarré officiellement dans le pays Venezuela dimanche 22 avril. Le président Nicolas Maduro promet pour retirer le pays dans la crise politique et économique. Les trouver là. On suit. Campagne pour élection présidentielle en Venezuela dans le pays Venezuela qui prévoit pour 20 mai cap venir la lancer dimanche 22 avril 2018. Là. Communauté internationale a critiqué l'opposition qui pas suspend boycotter l'élection. Candidat qui en face Nicolas Maduro, ancien membre Chavista Henri Falcon. Deux candidats ont même objectif sorti pays dans la crise économique et politique liée journée jeudi. D'après Fonds monétaire international FMI, pays Venezuela fait face à une grosse inflation pour l'année 2018, là, ce qui la cause PIB a chuté à 15%. Thank you.
5 nouveaux ministres exécutifs l'ont nommé recevoir mardi 24 avril la empilation yo nan main chef gouvernement Dr Jack Guilafontan nan primatia. Pendant même journée mardi, ministre agriculture agronome Joubert Engrand, ministre justice et sécurité publique l'ont maître Rudy Ali ak ministre intérieur et collectivité territoriale l'ont Rinaldo Brunet déjà installé nan fonction yo. Nouveau ministre promette pour travail dans intérêt population. Inauguration jeudi mardi à local centre sous communautaire Canaran. Centre ça permet communication faite pi bien à la communauté sila. Premier jour atelier travail dans cadre projet Haïti Smartland déroulé mardi 24 avril là. Projet ça qui lancé lundi 23 avril là visé by une dizaine jeunes entrepreneurs. Encadrement yon façon pour permettre yo faire plus succès dans business yo. Et puis une actualité en l'autre bord de l'eau, président français Emmanuel Macron ak madame li Brigitte Macron tant mais mardi 24 avril là yon visite 3 jours dans pays États-Unis. Merci tout le monde qui était ensemble avec nous pour deuxième sortie journal là pour semaine ça. N'a remercier toute équipe là qui était mobilisée pour te river rendre possible et n'a souhaiter nous toutes une très bonne fin de soirée sous télévision nationale d'Haïti. Au revoir.